nouvelle vidéo sur Réaction Bande Annonce. Alors c'est vrai que c'est la deuxième vidéo que je fais Réaction Bande Annonce. La première sur Le Roi Lion vous a énormément plu, je ne pensais pas que ça allait vous plaire autant. Je ne pensais pas qu'on allait être aussi nombreux à apprécier ce genre de film. Ça m'a fait super plaisir. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle bande annonce, on reste dans les Disney, là pour le coup c'est Mulan. Je suis pas une grande fan des Disney, hein, mais il y a certaines Disney qui m'ont plus marqué que d'autres, qui m'ont plus plu que d'autres. Là Mulan pour le coup, moi j'adore tout ce qui est la Chine, le Japon et tout. Enfin, si tu me suis déjà depuis un petit moment, je pense que tu as compris que un jour j'aimerais bien faire un voyage là-bas. Quand j'étais jeune, je connaissais toutes les chansons par cœur. Alors c'est vrai que c'est un Disney, il y a certaines chansons qui nous reviennent, qu'on apprend facilement. Mais là, Mulan, c'était toutes les chansons du film que je connaissais par cœur. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, j'ai pas du tout vu de banana, j'ai pas vu de photo ni rien, j'ai juste vu la première photo, la première image de Mulan. Je ne sais pas s'il y aura des chants, je ne sais pas s'il y aura Mouchou avec le petit criquet. Et on va de suite regarder la banana ensemble pour voir un petit peu ce que ça vaut. C'est parti. Elle dure 1h38, bon pas énormément non plus hein. Nous avons une très bonne nouvelle. La marieuse a trouvé pour toi l'époux idéal. C'est décidé. Viens t'asseoir. Ce sera bénéfique pour notre famille. Ok, ça n'a pas l'air comme le dessin animé. Oui, je vous apporterai gloire et honneur. Autant que pour Le Roi Lion, franchement, ça envoyait du lourd, même la première bande-annonce, autant là, franchement, non, honnêtement, c'est pas du tout à quoi je m'attendais. Si je remets dès le début, on voit bien, au tout début, quand elle est en famille, un repas, là, le truc, c'est que bah, ils sont quatre. Alors que dans le film en soi-même, oui, ils sont quatre, mais parce qu'il y a la grand-mère. Il y a la mère, le père, la grand-mère et Mulan. Mais moi, il n'y a pas la grand-mère. La fille en rose, c'est pas sa mère. Sa sœur. Puis même quand Mulan elle combat, Mulan quand elle combat elle est censée être un homme, donc du coup elle a les cheveux courts. Là on l'a vu à la fin de la bande annonce, les cheveux sont longs. Elle se bat comme une femme alors qu'elle devait se prendre pour un homme. Moi ce que je veux c'est retrouver Mulan. Puis toute la bande là avec les trois potes, je ne me souviens plus comment ils s'appellent, mais franchement c'était vraiment des personnages. Hein. On en avait un tout mince, un petit peu costaud, petit, et l'autre qui mangeait énormément, qui était vraiment un peu plus rond que costaud. Ça faisait l'équipe. Là, on les a pas vus, on l'a vu en combat. Elle combat les uns, elle a pas d'armure ni rien, elle y va comme ça, en kimono rouge. Là, elle y va tranquille, je maîtrise, on y va en avant, je vais tous les tuer. Là, la première bande-annonce, je sais pas si vous l'avez vue ou pas, mais moi en tout cas, c'est une déception totale. On verra bien pour la prochaine vidéo, mais là en tout cas... Voilà. N'hésitez pas à me partager vos commentaires, vos avis, juste en bas de la vidéo, dans les commentaires. Je serais ravie de discuter un petit peu avec vous, d'échanger un petit peu, voir un petit peu vos retours. Qu'est-ce que vous en pensez de cette première bande-annonce? Sur ce, je vous laisse. Plein de gros bisous et à très vite dans des prochaines vidéos. Bisous à bientôt. Bye.